Monsieur Reda Benounen, bonjour. Bonjour. Alors, Talaa Erol Hurriyet, en course pour les législatives du 12 juin prochain, vous considérez que c'est une décision responsable de participer à ces élections. Ces législatives peuvent constituer une pierre angulaire de la primauté de la loi et de la gouvernance démocratique. Qu'entendez-vous exactement par ce projet que vous annoncez aujourd'hui aux Algériens, Monsieur Benounen? Effectivement, nous avons pris cette décision après une longue abstention. Comme vous le savez, Talaa Erol Hurriyet n'a pas participé aux élections législatives qui ont eu lieu en dernièrement, enfin avant que ce soit l'APR, l'Assemblée nationale, dissoute par le président de la République. Cette décision, nous l'avons prise ensemble, le comité central, après consultation de la base, une large consultation, le comité central a pris cette décision. Pourquoi cette décision? Maintenant, l'Algérie passe par une étape, une phase très importante, le changement radical. Nous voulons aller, le peuple veut aller vers une démocratie réelle, dans la transparence, le respect du citoyen, le respect des urnes. Donc nous voulons des institutions légitimes afin de légiférer réellement au nom du peuple. Vous voulez être des acteurs réels de ce changement aujourd'hui pour la construction de l'Algérie nouvelle avec de nouvelles pratiques? Bien sûr, nous sommes là pour l'être. Et nous avons un programme, nous avons aussi un cadre qui est réellement fondé sur des bases de changement que nous espérons tous. Sur le plan politique, vous appelez aujourd'hui à une cohésion, à un rassemblement, pour un consensus, pour trouver les voies de sortie de la crise. Comment vous allez procéder pour convaincre? De la première des choses, c'est-à-dire notre rôle en tant que parti, comme je l'ai toujours dit, c'est d'aller vers le citoyen, le convaincre que maintenant, le vote, ce n'est plus un droit. Parce que quand on parle de droit, le droit, on peut se désister. Par contre, quand on parle d'une obligation, le vote est devenu une obligation. Pour chacun de nous, nous devrions voter, aller aux urnes pour qu'il y ait ce changement. Nous ne pouvons pas arriver à ce que nous avons demandé, ce que le Hirak a demandé à une démocratie réelle. Et le peuple qui participe dans sa gouvernance, c'est lui qui décide dans les meilleures décisions, les grandes décisions, s'il n'y a pas un vote et une participation massive du peuple. Mais comment asseoir une démocratie réelle? Comment vous allez procéder au niveau de Talaa Erol Hurriyet? Comment vous allez convaincre? Comment vous allez aller vers le citoyen pour le convaincre? D'abord, le Talaa Erol Hurriyet, comme vous le savez, c'était un parti qui était un parti opposant. Opposant pas à l'État. C'était un parti opposant au système qui existait avant. Nous avons lutté contre ce système pendant des années. Les autres ne nous ont pas écoutés. Le Hirak, il nous a parrainés. Il a demandé ce que le parti a demandé pendant toutes ces années. Le Hirak, il a réussi, avec ses manifestations, ses demandes, de faire tomber le système et qu'il y ait un changement. Actuellement, nous avons un président de la République. Il y a une bonne volonté. Il a fait les amendements, enfin l'amendement de la Constitution, automatiquement la loi électorale et l'autorité. Et maintenant, pourquoi? Pour s'aligner aux normes, nous allons participer aux élections. Nous vous souhaiterons que convaincre le citoyen qu'il faut qu'il y ait une réelle démocratie. Bon, tout ça avec des garanties que nous souhaitons qu'elles soient respectées. La garantie de la transparence, le respect du droit au vote. Mais vous parlez de lutter contre le système, c'est ça aujourd'hui la volonté de Talaa Erol Hurriyet, qui l'a toujours exprimé, non pas contre l'État, mais contre le système. Et comment prôner aujourd'hui la lutte contre le système quand vous avez le principal membre fondateur du parti, est un membre actif de ce système? Vous aussi, vous avez été il y a 20 ans de cela, pratiquement au niveau du Parlement. Monsieur Benounen. Moi j'étais député. C'est ça. Vous savez, j'étais député à une période. Il faut toujours revenir à l'histoire. L'Assemblée nationale, le cinquième mandat que nous avons eu, c'était la seule Assemblée nationale dont les députés, les 200 députés qui existaient, qui ont soutenu Benflis à cette époque, ils se sont manifestés contre le système. Nous sommes sortis dans les rues. Mais il était dans le système. Oui, il était dans le système. Il a été même chef du gouvernement. Mais il a quitté à ce moment-là. Il a quitté, rappelez-vous, Il a été limogé. Il a été même directeur de campagne du président sortant. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je travaille avec telle personne, je suis dans ce parti. Si demain, moi, mes principes, mes directives, mes convictions
ne peuvent pas être respectés, on n'a pas les mêmes directives et les mêmes principes, je peux quitter à n'importe quel moment. Je peux être ami avec n'importe qui, travailler avec n'importe qui, mais il est possible que je ne m'entende pas avec lui. Parce que lui, il a été contre la volonté du peuple, contre la volonté, contre ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et c'était le moment où Ali Bouteflika a quitté le pouvoir. Alors un consensus aujourd'hui pour aller vers le renforcement du front interne, vous en parlez aujourd'hui dans votre programme, comment allez-vous procéder? Alors, parce que le renforcement... Vous allez discuter avec tous les partis politiques, sans exclusion, tendre la main à tous. Vous savez, quand on fait de la politique, on est là. Quand on veut un apaisement social, une Algérie nouvelle, démocrate, le respect des droits de l'homme, la paix dans notre pays, on est obligé d'aller vers tout le monde. Là, on peut créer ce qu'on appelle un consensus général, parce que nous sommes là à écouter le citoyen, à écouter les partis, à avancer dans notre avenir. Tout ça pour l'intérêt général, parce que nous sommes des Algériens. Nous vivons ici en Algérie. L'Algérie, c'est notre pays, c'est notre mère, c'est notre patrie. On veut trouver notre paix dans notre pays. Alors, si vous êtes bien sûr majoritaire à ces élections législatives, si vous arrivez à rafler la majorité des sièges, vous parlez d'asseoir un modèle algérien politique et socio-économique dans une étape post-élection. Qu'entendez-vous par un modèle algérien quand on sait que sur le plan socio-économique, les modèles sont universels? Qu'est-ce que ça veut dire, un modèle algérien? Je parle de modèle économique, par exemple. Moi, je parle de modèle, l'économie, une économie ouverte et sociale en même temps. C'est-à-dire, elle a les deux volets. C'est-à-dire, on est pour l'ouverture, pour la circulation de l'économie, parce que maintenant, l'État, l'économie, on ne peut plus parler d'une économie nationale si on n'ouvre pas le marché international. Parce que la mondialisation, l'OMC, l'FMI, de toutes les façons, la production, elle est faite à l'extérieur, généralement. L'Algérie, elle exporte. Qu'est-ce qu'on exporte? On n'a que le pétrole. On dépend des autres. On est obligé d'ouvrir ce marché et en même temps équilibrer l'économie ou le marché national, le social, à travers des aides, à travers un équilibre social, assurer le pouvoir d'achat pour la classe qui est vraiment touchée par des allocations, etc. Économie ouverte et sociale, vous maintenez le même rythme des subventions aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer, puisque vous n'êtes pas encore en meeting et en rencontre populaire, vous allez les entamer à partir de ce jeudi, vous avez enregistré un léger retard, vous avez préféré bien sûr aller vers les médias dans un premier temps, c'est le choix de votre parti. Est-ce que vous allez tenir un langage de vérité, dire la vérité aux Algériens sur la situation que traverse le pays aujourd'hui, ou alors vous êtes un peu dans l'esprit un peu démagogique, le discours politique pour essayer juste de rafler des sièges? Justement, nous, j'ai déjà parlé de ça. J'espère et je souhaiterais, tant que je suis militant dans ce parti, avec mes chers compatriotes, nous avons pris l'expérience et la tradition avec notre fondateur, Ali Bouteflika, de dire que la vérité, rien que la vérité. Comme il dirait, celui qui le jurait des grandes instances. Vous savez, on ne peut pas, vous savez, le citoyen algérien, il est assez intelligent. Il est conscient de tout ce qui se passe ici. Hein. Il vit en Algérie. C'est parce que les problèmes de l'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est le citoyen algérien. Il connaît ce que c'est que la santé. Il sait ce que c'est que la justice. Il sait ce que c'est que le travail. Donc, on peut poser n'importe quelle question à n'importe quel jeune ici en Algérie, il peut nous répondre. Et une réponse réelle, parce qu'il la vit. Donc, le Talaï Hurriyet, quand il va affronter ce peuple, il va dire que la vérité. Nous avons des solutions. Les solutions, ce n'est pas le parti ou la gouvernance qui va la ramener d'une manière individuelle. Les solutions, on doit les partager. Le peuple doit aider, doit participer. Et l'une des conditions aussi primordiales, c'est d'aller vers les élections afin d'instaurer une réelle démocratie, afin que le peuple, c'est lui qui doit prendre ses décisions entre ses mains, diriger le pays, l'Algérie, à travers ses représentants. Vous savez ça, c'est une forme de démocratie. Une démocratie qui n'est pas directe
indirecte. Indirecte pourquoi? Parce qu'elle est représentée par des éléments tels que les députés. Le langage de vérité, seul moyen aujourd'hui de rétablir cette confiance, perdue, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Non, oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Alors, sur le plan politique, une de vos priorités, réhabiliter en priorité les institutions de l'État, et justement, par rapport à cet aspect-là, vous déclarez, M. Ben Nounen, qu'aujourd'hui, réviser les mécanismes d'action de l'Assemblée populaire nationale en vue de garantir la même mise populaire sur l'activité gouvernementale comme la concrétisation de l'indépendance du pouvoir législatif et son accomplissement du rôle de contrôle. Votre priorité, c'est de réformer la PN et son fonctionnement. La PN, vous savez... L'Assemblée populaire nationale l'Assemblée et son fonctionnement. Nous avons des textes. Quand on va à la Constitution, que ce soit l'ancienne Constitution ou celle d'aujourd'hui, après l'amendement, on parle de séparation de pouvoir. C'est-à-dire, chaque pouvoir, nous avons trois pouvoirs. Législatif, exécutif et judiciaire. Chaque pouvoir est séparé. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'équilibre entre les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pouvoir qui a plus d'influence que l'autre. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Une loi ne peut être abrogée ou amendée que par une loi. Un jugement ne peut être annulé ou revu que par un jugement. Et ça continue. Nous souhaitons, dans l'avenir, une fois que les députés deviennent des vrais élus, représentatifs, qui sont élus par le peuple, qui les a élus, qui les a choisis. Ces gens-là, ces députés, ils vont représenter le peuple au sein d'une assemblée nationale, afin de légiférer au nom du peuple, on revient toujours, de contrôler le gouvernement au nom du peuple, à travers des questions oraux et des commissions d'enquête. Aussi même, le député, vous savez, il a le droit de proposer des lois. J'étais député à une époque. Je me rappelle, aucun député n'a proposé de loi. Pourquoi? Parce que même si on fait cette proposition, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a en parallèle le gouvernement, enfin le pouvoir exécutif qui bloque tout ça. Et maintenant, nous souhaitons dans l'avenir que cette institution devient réellement une institution représentative qui réagit et agit au nom du peuple, rien que du peuple. Mais vous allez agir pour réviser les mécanismes de fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale, pour rétablir cet équilibre entre les différents pouvoirs, les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et bien sûr législatif. Vous savez, je vais vous dire franchement, on a parlé de la réalité, il faut dire la réalité. Moi, en tant que juriste, quand je lis la Constitution, que ce soit d'avant ou maintenant, et c'est la Constitution d'aujourd'hui, le député, il garde toujours le même rôle, il n'y a pas de changement. Maintenant, c'est le principe. Les députés qui sont venus, vous savez, avant les députés, c'était qui? C'était des députés de quotas. On les place. Fini on les quotas aujourd'hui? Oui, j'espère. On les met. Ils étaient toujours menacés par la dissolution, s'ils ne passent pas la loi. Maintenant, je souhaite que ces députés, c'est des députés élus, qui auront cette légitimité qui leur donne la force d'être en face de tout projet, défendre et légiférer au nom du peuple. Voilà mais, comment. Mais est-ce que pour vous, les députés ne doivent pas aussi oublier qu'ils ont un mandat local, parce qu'on parle d'un mandat national, et souvent ils oublient leur localité. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous ici. Parce qu'il faut faire la différence. Et c'est ça qui a induit la population algérienne et qui a sali le rôle du député. Le député, il a un mandat national. Ce n'est plus... Il représente la ville et la wilaya dont il a été élu. Mais un mandat national, le député, une fois qu'il est élu, il légifère. Il contrôle au nom de tous les Algériens. Et au nom de tous les ressortissants algériens, là où ils sont. Par contre, s'il commence à travailler sa wilaya, là, il transmet tous les problèmes et les inquiétudes et la demande des citoyens. Il peut aussi participer et travailler, ce que nous voulons faire nous, demain, à donner plus d'importance, élargir et revoir le code de la communale et le code de la wilaya. Parce que le maire d'aujourd'hui, vous savez que le maire, il n'a aucune prérogative. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, Monsieur Reda Benoulen, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez un peu du mandat du député, d'être à l'écoute bien sûr des préoccupations des citoyens là où ils se trouvent, mais sans oublier, sans omettre aussi, qu'il a été élu par sa localité ou sa wilaya, rester proche des citoyens qui l'ont élu, parce que souvent ce n'est pas le cas. Une fois qu'ils ont le mandat national, ils viennent, ils s'installent à Alger, ils oublient totalement leur localité, ils y reviennent. Et c'est le reproche qui est fait aujourd'hui à ces députés une fois le mandat achevé pour demander d'autres voix. Vous dites aujourd'hui qu'il faut séparer entre les différents mandats, que ce soit au niveau le mandat national qui est celui du député et le mandat local. Vous dites qu'il faut renforcer aujourd'hui et réviser le code communal et de wilaya de telle sorte à donner plus de prérogatives à ceux qui doivent être au niveau local, c'est-à-dire les présidents d'APC et bien sûr les représentants de l'APEI. C'est votre priorité aujourd'hui? Bon, c'est ma priorité parce qu'il faut revoir. Parce que vous savez, la base, celui qui est à l'écoute, qui est en relation directe avec le citoyen de la localité, c'est le maire. C'est le maire, c'est lui qui représente, contrairement à ce que nous voyons actuellement. Je vais vous donner un exemple. Parce que quand on respecte le maire, ça veut dire qu'on respecte la population locale. Je vais vous donner un exemple. Et je, ça ne m'empêche pas de le dire. Les visites officielles qui se font, par exemple, n'importe quel ministre ou n'importe quel responsable vient dans une ville. Il est reçu par qui? Le chef de secteur, le Welli, le directeur de la santé, des pompiers et tout. Et le dernier, c'est qui? C'est le maire. Alors, on le trouve avec sa bande. Il est où le respect de la localité? Le maire représente le peuple, enfin la localité. On doit revenir au respect des citoyens à travers leurs élus. Et le maire, pourquoi il n'a pas été respecté et pourquoi il n'a jamais parlé? Et ils n'ont jamais parlé parce qu'ils n'ont jamais été des vrais représentés. Ils ont toujours été placés pour servir les gens. Alors, pour ne pas être... Alors, autre question qui est d'actualité, vous dites, dans notre priorité au niveau de Tala Erl-Hariyet, nous allons réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Nous allons aujourd'hui nous pencher en priorité sur la crise actuelle pour la création d'emplois et de richesses. Comment vous allez procéder? Quand vous parlez de réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Réduire quand on réduit. Parce qu'en politique, en économie, on ne peut pas sélectionner ou considérer un secteur par rapport à un autre. Quand en matière économique, en matière sociale, si on commence à réformer, il faut aller vers le tout. Parce que si on avance... Vous allez tout revoir. Vers le tout. Quand on parle des citoyens, parce que si on arrange, c'est tout le monde qui va profiter. Je vais vous parler d'une chose. Si on veut, par exemple, l'emploi. L'Algérie, pourquoi il n'y a pas eu d'emploi? Alors que l'Algérie, c'est un grand pays. 2 864 000 km². Nous avons 1200 km à titre d'exemple, de côte, mer. Nous avons le trois quarts du pays du Sahara. On parle du tourisme. Nous avons deux sortes de tourisme. Le tourisme du sud, avec les traditions, et le tourisme de la côte. Balnéaire. Voilà, de la côte balnéaire. Nous avons la côte qui est sauvage, jusqu'à maintenant. Et celle qui n'est pas sauvage, elle est sauvage dans sa construction. Un touriste, quand il vient, moi-même, vous-même, vous allez dans une plage, vous trouvez l'anarchie, d'abord sur le plan urbain, l'anarchie sur le plan d'accueil, l'anarchie sur le plan de la propriété, l'anarchie sur le plan de transport. Tout ça, nous le vivons ensemble. Je ne vous le cache pas, vous ne me le cachez pas. Tout le peuple le sait. Ce tourisme, comme une industrie réelle, que demain nous pouvons l'utiliser, d'abord si nous voulons accueillir le monde qui vient vers nous, parce que nous avons la nature fantastique, l'Algérie, c'est un très beau pays. Je parle du tourisme balnéaire. Pour développer ce tourisme, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas une affaire du ministre du tourisme, c'est une volonté politique. Parce que le tourisme ne peut pas se développer tel qu'il est, s'il n'y a pas le ministre des Eaux, il faut amener l'eau. Le ministre du Transport, il faut assurer le transport. Le ministre de la Culture, il faut ramener la culture, ce que nous avons. Le ministre de l'Habitat et des Travaux Publics, tous ces ministres-là se regroupent dans une volonté politique
avec un metteur en scène, enfin un chef de chantier qui est le ministre du tourisme. Et là, nous pouvons aussi passer au Sahara, d'ouvrir le champ, d'aller vers la politique d'aménagement. Nous avons notre Sahara, d'abord la politique d'aménagement nous protège nos frontières aussi. Protège nos frontières. Les gens, quand ils vont habiter au Sahara, le citoyen, quand il trouve son travail, l'école pour ses enfants, les salles de jeu, les loisirs, les banques, tout ce que demande l'Algérien pour vivre dans une zone bien stricte. Je vais vous dire une chose. L'Algérien qui habite Alger, qui travaille à Adrar, si demain il décide d'aller à Adrar à 8h du matin pour revenir à 18h, il trouve l'avion pour revenir. Par contre, maintenant nous vivons un problème. Moi j'ai essayé de prendre des vols pour aller au Sahara pour mes meetings. Je pars, 3 jours après je reviens. Il n'y a pas de vol. C'est comme ça qu'on va travailler le tourisme. Qui veut aller au sud? Comment qu'on travaille? Comment? Nous avons investi en plan, sur le plan économique. Nous n'avons aucune planification. Aucune planification. Les statistiques, quelles sont les entreprises que nous avons? Pourquoi? Je me pose la question. Pourquoi Al-Hajjar, ça ne marche pas, alors que Tosiali, il exporte? Vous savez, à Oran. Pourquoi les cimenteries que nous avons eues en Algérie, les différentes cimenteries, ne marchent plus comme avant? Et la Farge, elle exporte le ciment. Là, il y a vraiment un problème. Problème de gestion, problème de culture et problème de responsabilité. Oui, mais vous êtes sur le constat, comment vous allez résoudre ce problème? C'est la question que je vous ai posée. Puisque vous dites, nous allons réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Vous allez augmenter les salaires? C'est ça votre volonté? Le salaire, moi, d'abord, on augmente le salaire. Mais où allez-vous? Le salaire, d'abord, il y a une technique pour ça. On ne va pas augmenter les salaires avec l'émission de billets de banque. Chose qui est contraire. Qui est contre la loi. La loi internationale. L'émission de billets de banque, c'est interdit par la loi, généralement. Hein, la planche à billets. Quand on va augmenter les salaires, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une production. Une production réelle. La production, c'est elle qui maintient le pouvoir d'achat. Vous savez, en France, par exemple, je cite un exemple. C'est pas un exemple. Pourquoi on donne les RMI aux chômeurs? Hein? Le minimum, là. C'est pour maintenir le pouvoir d'achat. Et si on maintient le pouvoir d'achat, on maintient l'industrie et la production. C'est ce que vous allez faire? Vous allez donner On va essayer de travailler. D'allocation, chômage. Bien sûr, de maintenir le pouvoir d'achat pour tous les Algériens. Le pouvoir d'achat, c'est lui. Parce que, vous savez, ici, on augmente les salaires et le lendemain, on fait la dévaluation du dinar. C'est-à-dire un jeu. Un jeu économique qui ne va pas réellement dans la transparence et la réalité de la vie algérienne. Vous avez des solutions à tout? Ben justement, vous savez les solutions. C'est la pratique. C'est les données que nous avons. Qu'est-ce qu'on a comme argent? Qu'est-ce qu'on a comme moyen? On va travailler. Nous avons en politique, nous avons l'homme politique. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une feuille de route. Et cette feuille de route, c'est une idéologie pour la mise en place et l'application. Là, c'est les technocrates, c'est les gens du domaine qui vont travailler ensemble. On ne peut pas promettre sans avoir des données réelles. Nous avons une théorie comment on voit l'avenir du pays. Alors sur le plan diplomatique, vous prenez conscience que la situation aujourd'hui au niveau de nos frontières est extrêmement dangereuse. Vous dites qu'il faut prôner une diplomatie aujourd'hui qui défend les intérêts de l'Algérie et de l'Algérien là où il se trouve. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? Ben, une diplomatie d'abord, il faut s'occuper des Algériens là où ils sont. L'Algérien, il restera toujours Algérien, même s'il est à l'extrême du pays. On le respecte, on le défend par tous les moyens, à travers les différents consulats représentatifs de l'Algérie. L'Algérien, il ne se retrouve pas, ou il ne peut pas se sentir qu'il est exclu de son pays. Voilà. Alors, je voudrais aborder avec vous cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quand on parle de la nécessité de rétablir la confiance entre le citoyen et ses représentants, notamment les élus, à savoir les députés, est-ce qu'il faudrait aussi qu'en cette période un peu de désette financière, il devrait aussi faire preuve un peu plus d'engagement, par exemple, donner ou sacrifier une partie de leur salaire au profit de la collectivité
Monsieur Benounen, pour bien sûr permettre à l'Algérie de sortir de cette situation de difficulté financière qu'on traverse. Vous savez, depuis... Parce que vous avez l'auditeur qui vous dit, les gens aspirent à être députés pour avoir un peu l'humilité parlementaire et puis aussi parallèlement s'enrichir et faire des affaires. Vous savez, s'enrichir, c'est pas tous les députés qui sont pareils, parce que moi j'ai connu, moi je me rappelle. Oui, mais bien, les révélations qui ont été faites par l'ancienne législature et certains députés, est-ce que moi, ça n'a pas entaché la réputation des d'abord, députés? D'abord, s'il y aura un bon choix des représentants, les députés quand ils seront élus, c'est des réels, c'est des responsables, des gens qui ont des principes. Le principe c'est quoi? C'est de défendre l'intérêt public. À ce moment-là, le député peut faire tout. Il peut se désister de son salaire, s'il est d'accord. Bon, à condition qu'il aura de ressources. Parce que, par exemple, une partie où contribuer, ou je ne sais pas moi. Et d'avoir des indemnités, parce qu'il peut y avoir un arrangement. Surtout maintenant, en Algérie, on a besoin d'instaurer et de revenir vers une confiance générale entre le gouvernant et la gouvernance. Alors, vous avez cette autre question aussi de l'auditeur. Est-ce que vous considérez que certains secteurs sont prioritaires par rapport à d'autres? L'éducation nationale, la santé? Vous savez, on ne peut pas séparer. Le citoyen a besoin d'éducation. L'éducation, c'est la base, c'est la formation. C'est l'éducation pour l'avenir, parce que c'est à partir de l'école primaire qu'on commence à éduquer l'enfant. Vous allez réformer l'école? L'école, moi, je préfère l'école d'abord, diminuer le taux d'horaire pour les enfants. Ils font je ne sais pas combien d'heures. Nous, je me rappelle, on était à l'école avec 3 heures, 4 heures par jour. On était bien. Hein? Il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a des médecins. Ça ne demande pas d'avoir ces 10 heures par jour. Alors, un cartable vraiment lourd, aucun loisir, ni sport, ni rien du tout. L'enfant, il a de sa vie. Il doit profiter de son enfance, comme celui du moyen et comme celui du lycée. Donc, il y a des excursions, il y a des sorties, il y a je ne sais pas quoi. Le programme, il est important. Il faut enrichir le programme, de rendre le programme utile et bénéfique par rapport à ce que nous attendons dans l'avenir et par rapport à ce que le monde demande et la contemporaine et par rapport à la formation générale et l'éducation générale de nos enfants algériens. La santé, secteur prioritaire pour vous? Oui. Par rapport à la pandémie? Comme j'ai dit, j'ai pas fini parce qu'on ne peut pas aller vers l'école et oublier la santé, la justice, tout ça marche simultanément. C'est une réforme, elle doit être simultanée. Une réforme générale, parce qu'il faut arranger tous les secteurs dont le citoyen a besoin. Alors, pensez-vous que le prochain Parlement sera souverain de manière à exercer ses prérogatives sans interférence ni parrainage des autres pouvoirs, à savoir le judiciaire et l'exécutif, monsieur Benouinel, puisque vous l'avez déclaré au début de cette émission, c'est votre volonté aujourd'hui, c'est d'assurer cet équilibre entre les différents pouvoirs et aucun empiète sur les prérogatives de l'autre. Parce qu'on espère tous. Parce que je vais vous dire une chose. Mais vous êtes un acteur politique, vous pouvez faire changer les choses. On espère tous, parce que je suis un acteur politique, je participe, je lutte pour ce principe, et j'espère qu'on va réaliser ce principe. Parce que si on ne le réalise pas, on restera toujours à l'état zéro où on est. Il faut avancer, il faut séparer les pouvoirs, il faut respecter, parce que je reviens toujours, le législateur, c'est un représentant du peuple, par le moyen de la démocratie indirecte. Le législateur, il doit être indépendant, il réfléchit, il pense, il donne des propositions, il élabore des lois, au nom de ce peuple qu'il a élu, sans qu'il y ait l'influence, que ce soit du pouvoir exécutif ou judiciaire. Alors vous allez vous déployer à partir de ce vendredi, jeudi, à l'intérieur du pays, pour aller à la rencontre de la population. Dans un premier temps, vous avez choisi bien sûr d'aller vers les médias. Vous-même, vous êtes candidat au niveau de votre wilaya, à savoir Oran. Vous allez vous déployer pour bien sûr expliquer la vision de votre parti politique à partir de ce vendredi. Vous serez à Batna, le choix de Batna, la wilaya. Il est fortuit, ou alors c'est parce que c'est la wilaya de l'ancien fondateur du parti.
Je vais vous répondre à la question. D'abord, je me rappelle, j'étais candidat. Enfin, quand Ali Bouteflika était candidat aux élections présidentielles, moi, je l'ai toujours soutenu. Et j'étais son directeur de campagne à Oran. Il y avait des gens qui m'ont posé des questions. Vous êtes d'Oran, vous allez soutenir quelqu'un de Batna qui est chez lui et tout. Allez-y, soutenez Bouteflika qui est de l'Ouest. Ça, je vous le raconte. Hein, c'est la réalité. Moi, quand j'ai regardé cette personne, j'ai dit, moi, je suis plus nationaliste que vous. Moi, je suis de l'extrême ouest, je soutiens quelqu'un de l'extrême est. Et c'est ça le nationalisme. Nous avons choisi Batna. Batna, c'est la ville des Aurès. Ça m'a rappelé, il y a 32 ans de ça, ou 34 ans à peu près, dans la 40 ans, j'ai passé mon service national à Batna, par Kaforage. J'ai connu un homme que je respecte beaucoup. J'ai lutté avec lui. J'ai appris beaucoup de choses, comme nous tous. La simplicité, l'éducation, les réflexions. Un homme de principe qui a lutté, il nous a appris beaucoup de choses, la déontologie. Monsieur Ali Bouteflika, que nous avons tous soutenu pendant des années, je voudrais d'abord visiter sa ville natale. Vous commencez de là, votre campagne électorale. De Batna. C'est par rapport à ce symbole. Oui, les deux. Mais vous avez pris du retard pour entamer votre campagne électorale, parce que j'ai sous les yeux maintenant votre programme, qui va débuter ce vendredi. Vous serez Batna, Santena, Chlef, Bachar, Ilizi, Blida et d'autres localités, bien sûr, du sud du pays, l'est, l'ouest également. Si vous avez entamé tardivement votre campagne, est-ce que c'est parce que le parti est embourbé, et était du moins embourbé dans certains conflits internes? Non, parce qu'on parce a réglé. Vous avez... Oui, vous avez on a réglé du moment qu'on est rentré aux élections. Vous savez, en 15 jours, on a fait 49 wilayas. C'est vraiment, on a... Oui, mais vous avez eu des difficultés à l'interne du parti. Des difficultés à l'interne, quelles sont de... Est-ce qu'ils n'ont pas un peu embrouillé la programmation de votre campagne? Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, ils travaillent. D'abord, je vous ai dit, en 15 jours, les militants se sont préparés dans les 49 wilayas. On est rentré dans les 49. Enfin, ça veut dire que le parti est structuré. Nous avons quand même une base. Maintenant, si nous avons choisi, nous avons d'abord, pour concernant la campagne, parce qu'on a divisé cette campagne, il faut faire une campagne d'abord campagne, on a préféré les médias, c'est d'abord expliquer le programme, d'aller vers le peuple, quand nous sommes là, nous sommes candidats, parce que le peuple s'est habitué, que Talaïr Hurriyet ne participe pas aux élections. Maintenant, on a expliqué pourquoi on était contre, pourquoi maintenant nous sommes pour. Parce que l'Algérie a besoin de nous tous. L'Algérie, on met la main dans la main et on y va tous ensemble pour régler le problème des Algériennes, des Algériens et de l'Algérie. Nous avons d'abord allé vers les médias, ensuite la proximité et le plus important de semaine, c'est les meetings. Les meetings pour expliquer le programme, d'aller vers toutes les villes d'Algérie. Vous savez, comme c'est le programme, il est entre vos mains, donc on va couvrir pratiquement l'Algérie entière. Hein. Mais parallèlement à ça, on a vu que vous avez été parmi les premiers partis à vous être indigné contre la violence faite aux femmes au niveau de la localité de Borjebouaridj, où elles ont subi les pires sévices. Protéger les femmes, c'est une des priorités aujourd'hui. Vous allez réformer le code de la famille? Le code de la famille, vous savez... Vous êtes un juriste? Oui. Vous connaissez bien la question? Non, moi je vais vous dire une chose. Le code de la famille... Si on parle d'équité, si on parle d'égalité. D'égalité, nous sommes des musulmans. Nous avons dit, il faut qu'on soit clair maintenant. Vous savez que l'Algérie, elle a les droits de l'homme et parmi eux, le code de la famille. Elle a ratifié la convention internationale avec des réserves. Quelles sont les réserves? Notre code de famille algérien, vous savez, il est fait comment? Il est fait sous forme d'ordonnance. D'ordonnance. C'est une convention internationale qui a été traduite sous forme d'ordonnance et qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais on parle de la parité aujourd'hui. La parité, la parité homme-femme, au niveau du Parlement, écoutez, au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les instances internationales. La question est claire, est-ce que vous allez réformer ou non le code de la famille? Je vais vous dire, le code de la famille, on réforme ce qu'on peut faire. Par contre, nous sommes des musulmans, je sais que vous allez parler de l'héritage. Hein, pourquoi la femme prend... La moitié, l'homme prend le double. Ça, c'est Sourate Baqara. C'est Sourate Baqara. Nous sommes des musulmans, on doit respecter. Et nous avons dit que le parti, que ce soit même l'État, elle est fondée sur des principes. Et parmi le principe fondateur... L'arabité, la mésirité, l'islam. Et l'islam. Mais sur le plan réel,
pratique, moi, vu que je suis notaire, je connais beaucoup de clients. Avant, ils viennent chez nous, les notaires, et ils dispatchent, ils font le partage entre les enfants équitablement. Il y a un autre moyen. Tant que je suis vivant, je peux me comporter comme je veux de ma propriété. Personne ne m'empêche. Sourate Baqara n'applique pas pour les vivants. Elle s'applique pour les... Les mentalités changent. De quelle mentalité? Les mentalités changent, c'est la raison pour laquelle, par exemple, les parents aujourd'hui gèrent leur héritage avant même de décéder. Oui, effectivement. Puisque vous le dites. Oui, les mentalités, et puis il y a beaucoup, vous savez, maintenant, maintenant la société algérienne veut protéger les filles. Et les femmes. Et les femmes, quand je parle des filles, c'est les femmes. Parce que les filles, après, elles deviennent une femme. C'est ce que vous allez faire en étant député? En étant député, je défends la femme, comme nous avons toujours défendu la femme. Parce que nous avons beaucoup de respect pour la femme algérienne. Nous savons, nous sommes convaincus tous que la femme algérienne, c'est une femme de caractère qui a lutté pendant des années pour les droits de l'homme, le droit de la femme, qui a lutté contre le terrorisme, contre les gens ne sortaient pas dans les rues. C'était les femmes d'abord qui sortaient, c'est eux qui ont lutté, c'est eux qui ont réformé, c'est eux, c'est bon? C'est elle. Oui, c'est elle plutôt. Monsieur Reda Benounen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, j'espère vous revoir.